Bonjour et bienvenue à votre émission « Qu'en pensez-vous? », votre émission d'actualité où on discute, on réfléchit, on s'obstine même des fois sur l'actualité de la semaine. Et comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de renom. Et cette semaine, nul autre que l'hallucinant Jules Simard. Ouf! 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 J'utilise ce mot parce qu'on va parler du cannabis. Ah, OK, OK, ça marche! Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Prêt à te lancer dans l'actualité? On va commencer. Ça a été quand même relativement calme. Hein? Depuis l'élection, ça a tout pris la place. C'est la question. Et bon, il y a quand même des événements qui se déroulent, là, mais effectivement. C'est comme moins important. Ou encore, on a comme une pause. Pour moi, on a eu besoin d'une pause quelque part. Puis c'est la chasse. Ah! Et elle termine ce vendredi-ci. Là, donc, c'est terminé au moment où vous écoutez. Oui. On vous souhaite d'avoir tué et de ne pas avoir mis votre panache sur votre camion. C'est complètement dégoûtant. Du coup, c'est un avis. Et actualité locale, on se lance là-dedans. Domiski, une institution ici qui est reconnue, vélo de montagne, le ski de fond, ski alpin, là, dans la mesure de planche à neige. Planche à neige, etc. Et en tube, là, les glissades en tube. Glissades en tube, c'est vrai, fat bike, il y a beaucoup d'activités là. Bon, on le sait, le chalet était plus frais, là, même un peu désuet. Ben, hein, il y a quelques années. Hein. Oui, quelques avec un gros S. Donc, un projet d'investissement de 3 millions. C'est pas fait, mais en même temps, c'est un beau projet. Je pense qu'on veut avoir un nouveau chalet plus convivial pour garder les parents aussi, tu sais, ce que je comprends. Là, tu fais pas de ski ou tu laisses tes enfants là, tu rentres dans le chalet et tu fais, bon, aller chez nous. Non, mais on va se le dire. Donc, un beau projet. C'est quoi l'importance de Domiski pour le milieu? Je sais qu'on en a déjà parlé souvent. Puis souvent, c'était pour des moins bonnes nouvelles. Là, en fait, les déficits d'opération, comme on dit. Là, c'est quand même une belle nouvelle. On a l'impression que ça a été pris en main. C'est quoi ton analyse de ça? Bien, là, je pense que c'est un équipement qui est nécessaire dans une ville comme de la taille là, de Beaumont-Mistassini. Ça va ratisser plus large, ça va ratisser partout dans la ville. Oui, tu peux effectivement amener la pratique de sport qui est relié au ski, là, l'ensemble qu'on a indiqué tout à l'heure. Je pense que c'est nécessaire parce que ça permet effectivement aux adeptes de ces sports d'avoir un endroit où le pratiquer près de chez soi. Mm-hmm. Ça, c'est le premier élément. Il restera que, bon, le ski alpin, c'est le ski alpin. Ce qu'on cherche, c'est des très hautes montagnes. C'est pas nécessairement nos côtes à nous. Donc, ça, cet élément-là... Pour débuter, c'est parfait. Bien, semblerait-il. Remarque que je n'en ai jamais fait. J'ai fait du ski de fond un peu, mais pas beaucoup de... Loin de ça, le ski alpin. Juste pour indiquer que, oui, on a la montagne que nous avons. On a la côte que l'on a. Oui, on ne la changera pas. Non, ça, on ne la remontera pas, même si elle a déjà été remontée un peu dans le temps, pour pouvoir être en mesure de pratiquer quand même des sports, le sport de justement de ce qu'elle fait de meilleure façon. Je pense donc que c'est nécessaire dans une municipalité d'avoir avec l'ensemble des contraintes que l'on a. On n'aura jamais, fort probablement, le taux d'achalandage que tu vas avoir dans les Roumont, au Valinois ou ce genre de choses-là, parce que nous n'avons pas effectivement la montagne pour, mais pour la pratique de ce sport-là. Il ne faut pas oublier aussi que pour les jeunes, ça représente un endroit peut-être davantage sécuritaire pour la pratique de ces sports de glisse qui sont chez nous, avec l'ensemble de la sécurité qui est requise. Donc oui, il faut faut en maintenir un, et on a celui-là qui est installé là. L'aspect, c'est de dire, on met combien de millions de dollars dans un site qui, donne de aide à des gens... permet à des gens de pratiquer leur sport, mais donne aussi de saines habitudes de vie. Hein? La pratique sportive demeure une pratique que l'on se doit non seulement d'encourager, mais que l'on se doit d'investir dedans pour pouvoir être en mesure
de conserver la meilleure des santé possible. Donc ça, c'est l'aspect où on se dit, on investit combien? Il ne faut pas oublier que, en fait, depuis le tournant de l'an 2000, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des ensembles de déficit d'opérations. Ouais, c'est ça. Qui font en sorte qu'à un moment donné, à tous les trois ans, on se questionne. Est-ce qu'on le maintient, le centre? Est-ce qu'on ne le maintient pas? Parce que, oui, est-ce que la municipalité, et là, je sais qu'on investit encore tout près de 100 000 $ je pense, cette année pour aider à éponger et à opérer le centre. Est-ce que c'est cet argent-là, là, la municipalité doit se dire, à un moment donné, oui, on maintient l'activité et pour maintenir l'activité, il nous faut amener un argent, de l'argent public à toutes les années pour pouvoir maintenir l'affaire. Ça, je pense que ça fait partie. Il faut le budgéter. Exactement. Il faut que l'on regarde dans ce sens-là et au-delà du 3 millions là, d'investissement qu'on nous annonce qui serait peut-être requis pour mettre aux normes, comme c'est l'expression maintenant consacrée, aux normes le centre de ski, le chalet plus particulièrement. L'autre aspect, c'est parce que ça m'amène à discuter aussi de d'autres sports tels le curling. On sait qu'est-ce qui s'est passé aussi. C'est avec le même combat. Le centre civique. Hein? Mm-hmm. Le centre civique, on se ramasse, oui, avec des déficits d'opérations. À un moment donné, la municipalité a fait le choix de dire OK, c'est correct, on paye l'électricité. C'est la grosse dépense qui était reliée. Et on va la payer, on va l'absorber, annuellement, le coût de l'électricité, ce qui permet au centre maintenant et aux bénévoles qui l'administrent de dire « OK, on est capable maintenant de travailler avec des revenus qui nous permettent d'assurer les activités que l'on met et de faire en sorte que là, la municipalité se dit « Bon, ben oui, il faut qu'on investisse là-dessus. » Je pense qu'on est dans cette question-là, de par la taille de ces organisations-là, même si on se disait « Ah, OK, stuff, on dessert 60 000 de population avec le centre de ski, on n'a pas besoin de l'enseigne », on n'aurait peut-être pas nécessairement plus d'achalandage parce que tu as certaines activités, entre autres, je reviens avec la question du ski alpin, il est peut-être plus facile ou plus agréable de le pratiquer au Mont-Valin que sur notre côte à nous. On va voir, on va suivre ça, mais c'est quand même... En tout cas, le milieu va avoir des choix à faire, la municipalité aussi. Oui. Il faut le regarder. Tu sais, je retenais, je couvrais la semaine dernière la conférence de presse sur la Grande Marche, OK, qui était... Puis on sait que c'est le maire de Dolbeau-Mistassini qui est le président d'honneur cette année, là, tu sais, qui disait que, tu sais, à Dolbeau-Mistassini, on a fait le choix de dire que nous voulons être une municipalité qui veut faire non seulement la promotion, mais susciter les saines habitudes de vie. Alors, dans ce contexte-là, le centre Domiski, tout comme le centre civique, représente des actifs que nous avons actuellement dans la municipalité qui peuvent contribuer justement à faire en sorte que les saines habitudes de vie se développent. Peut-être qu'on aura peut-être moins besoin d'investir dans des agrandissements d'hôpitaux à ce moment-là. On espère. Un récolte de bleuets sauvages, cette année, 75 millions de livres. C'est un peu surprenant, c'est quand même une bonne récolte dans la région parce qu'on annonçait le gel, les affaires. Il y a toujours... On dirait qu'à chaque année, c'est la même chose. Là. On nous fait peur. Ça sera pas bon. Puis finalement... Très raisonnable. Je pense qu'on est dans les... je me souviens pas, il me semble que le record, c'était 77, mais 75 millions, là, c'est quand même une importance dans dans notre région, effectivement, dans notre coin de pays, plus particulièrement. Ouais, c'est une grosse industrie. Exactement, tu sais, ça représente énormément pour notre coin de pays. Je sais, on aura toujours la bataille du prix. Est-ce que tu l'as déjà cueilli, toi, Écoute, je vais en vendre? Bien, une fois, j'étais parti avec mon oncle Réal, puis mon cousin Jimmy, on était parti dans le bois, en ramasser,
Et à un moment donné, j'ai fait « Non, je ne ferai pas ça de ma journée. » J'ai fait plein d'autres choses. J'ai caché des roches dans le fond de mon panier, que ça soit plus pesant. Puis au bout du compte, ça m'avait donné, je pense, 5 piastres. Tu sais, c'était peut-être une problématique. Ce que tu amènes là, là, c'est un point. On sait que dans les contenants que tu vas vendre, il y en a, hein, peu, semble-t-il, mais il y en a qui, effectivement, vont mettre un poids quelqu'un pour avoir... ça, là, ça représente, ça a un effet, qu'on le veuille ou non, sur le prix offert au cueilleur. Hein? À un moment donné, la perte qui est encourue par les gens qui les achètent, ils te la font mettre à l'ensemble de tous les cueilleurs à ce moment. Je te dis pas que c'est 40 %. Non, non totalement de ta faute, mais que c'est 40 % du prix, là. Mais ça a un impact. Ils donnent presque plus rien là, pour les bleuets. Bien, c'est ça. L'affaire, c'est qu'on se dit, c'est toujours la fameuse bataille. On se vend quoi? Mais quand on nous répond, quand on pose la question à ceux qui donnent, qui fixent un peu le prix, là, en fait, les acheteurs, comme ouais. On dit, actuellement, le bleuet du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou au Québec, hein, dans nos régions, à nos latitudes, c'est un bleuet qui est, oui, biologique quand il n'est pas cueilli en bleuetière. Oui. OK, il est biologique. Et le marché, OK, actuellement, pour le bleuet biologique, à ce que j'en connais, c'est peut-être davantage vers l'Asie où est-ce qu'on peut le vendre. Et le bleuet de consommation qu'on peut avoir cueilli dans les bleuetières, lui, il est en concurrence avec ce qu'on appelle le fameux bleuet de Corinthe, qui, lui, est du plus particulièrement en Amérique du Sud, et il en pousse. Mmh. As-tu compris? En plus que nous, il paraît. Et là, on est en bataille sur les marchés avec ce type de bleuet-là. Ça contribue peut-être. Mais même ici, là, je veux dire, dans le temps, moi, quand j'étais petit, les bleuetières, il fallait aller dans le bois, il y en avait avec Sainte-Marguerite, il y en avait avec Exune. Aujourd'hui, tout le monde a deux, trois bleuetières dans ses poches. Oui, bien, je veux dire, on a effectivement mis... On n'a pas diversifié beaucoup, là. Ben, en fait, ce qu'on a fait, c'est que, oui, on a créé de la bleuetière dans des terrains qui étaient propices à la culture du bleuet. On a créé, donc, ces bleuetières-là. Ça a un coût. Étant l'aménagement et environnementalement parlant, ça désertifie les territoires de la manière qu'on fait les bleuetières. D'ailleurs, de plus en plus, hein, on voit qu'on est dans, on fait pousser des arbres là, de plus on en dit, plus ça fait 20 pour ans. Pouvoir être en mesure. Oui, mais attends, ça fait maintenant partie des pratiques que d'avoir cela. C'est une industrie qui en arrache à toutes les années parce que le producteur, ou que ce soit le cueilleur, il va toujours dire « on n'en a pas eu, nous, pour notre argent, à cueillir. » Du monde qui en a pour leur argent, c'est sûr. Il y en a, ben oui, sans ça, tu arrêterais demain matin, là, tu peux faire des frais. Mais il reste qu'on a quand même pu développer depuis les années 60, depuis à peu près une cinquantaine d'années, qu'on le veut ou non, des productions de bleuet qui nous amènent à avoir de ce type de record ou de production totale de 75 millions. 75 millions de livres mêlés à cinquantaine la livre, là, qui a été même pas au cueilleur, tu dois donner en bas de ça, c'est-à-dire une quarantaine de cents. Une quarantaine de cents, là. Bon, ça représente quand même 37 millions directs d'investissement. Bravo, bleuet! On aime ça, on aime ça, on aime ça. Là, on va être pogné tout l'hiver avec des bleuets congelés qui arrivent. Bon, en tout cas. on va parler de notre député. Philippe Couillard a décidé, sans surprise, on avait même parlé la semaine passée, de quitter la politique active, donc d'arrêter d'être le chef du Parti libéral du Québec et aussi d'arrêter d'être député de Roberval. C'est là-dessus, en fait, que je veux surtout t'amener. Quels sont les impacts du départ, en fait? Parce que là, il vient d'être élu. Là, ça va coûter 500 000 $ faire une élection partielle. Là, on se retrouve avec pas de député, parce que là, ils ont six mois pour déclencher la CAQ. Six mois et un an. Non, c'est vraiment six mois, hein? Pour déclencher une élection partielle, mais on sait que la campagne va durer au moins un mois. Fait que là, on a quoi? On n'a pas de député avant le printemps. C'est quoi l'impact de ça, quand même? Puis qu'est-ce que tu penses de cette décision-là? Moi, je suis ambivalent. Moi, je pense que quand t'es élu, puis que tu sois dans le... Je sais pas, les gens te donnent leur confiance. Je peux croire que t'étais premier ministre, tu ne l'es plus, mais en même temps, c'est ça la game.
C'est comme jouer à un jeu de société puis dire « Ah, si je gagne pas, j'arrête de jouer. » J'ai de la misère avec ça, mais beaucoup. Il y a la... On avait élu, en 2014, comme député, quelqu'un qui serait premier ministre du Québec. Mm-hmm. En 2018, je reviens peut-être à ce que je disais la semaine dernière, mais on a voté pour la reconnaissance de ce que cet individu a fait. Mm-hmm. Là, on n'a pas voté ce coup-ci pour quelqu'un qui serait premier ministre du Québec parce que tout indiquait que le Parti libéral ne serait pas premier ministre. Comme homme, lui, c'était, et ça a toujours été, un gars qui a voulu faire de la politique pour être aussi premier ministre du Québec. Oui, député du comté de Roberval, mais au départ, avoir une autre fonction. Le soir de l'élection, tu le sais, il n'y a rien de pire quand tu t'impliques dans une campagne électorale que la défaite. Ouais. Une défaite électorale, là, ça fait mal aux individus qui se sont imprégnés dedans et qui se sont impliqués dedans. Et quand je dis que ça fait mal, oui, c'est psychologiquement et ça va même physiquement, ça fait véritablement mal. C'est peut-être l'activité humaine la plus exigeante. Et quand tu te ramasses au soir de l'élection avec, oui, une défaite de l'ampleur que le Parti libéral a eue et que tu en es le chef, là, tu dis, je prends tout sur moi. Et si je prends tout sur moi, comme les gens ne voulaient plus de moi, je me retire aussi comme député. Ça fait mal. C'est une décision qui n'est pas... Oui, mais tu ne peux pas le mettre en fonction de dire, ah bon, ben oui, je suis avant d'être quoi que ce soit, député ou pas député, mais ministre ou premier ministre, avant tout, je suis le député des gens du comté de Roberval qui m'ont élu. Ça passe outre à la responsabilité que tu t'imputes lors d'une défaite. Mais laisse-moi douter de sa volonté d'être député de Roberval et de vouloir servir la population d'ici, comme il l'a dit, parce que si c'est mais il le fait. Mais là, il ne le fait plus. C'est ça, il s'en va, mais il le fait. Tu sais, je veux dire... Je le fais quand je gagne, mais je le fais pas quand je perds. Mais j'ai gagné dans mon comté. Il y a de quoi de malsain dans cette manière de faire de la politique-là. Peut-être. Je respecte l'opinion que tu aimais. Mais je reviens avec le fait que c'est fait de la politique, c'est aussi une activité humaine. C'est aussi une activité où, dans la nature humaine, il y a toujours deux fonctions, c'est-à-dire la fonction sentimentale et la fonction raisonnable. Mmh. Et fort probablement que dans ce cas-ci, ça fait tellement mal une défaite électorale que le sentimental. Pris, hein? Non, le sentimental, les sentiments ont pris le dessus sur la raison. N'empêche. Qu'on va être en élection, comme tu dis, dans six mois. Oui, ça va nous coûter un beau 500 000 $ aux contribuables en plus. Ouais, mais ça, moi, ça là-dessus, quand on m'amène ça là, comme argument, là, OK, la démocratie, ça a un coût. Oui, et le jour, et le jour, oui, mais le jour, oui, mais là, l'individu, il donne sa démission pour les raisons qu'on a amenées tout à l'heure. On se doit de retourner en élection. On retourne en élection. Mais ce que je trouverais dommage, c'est que le chef de la CAQ me nomme quelqu'un dans le comté Roberval pour pouvoir être mon représentant. Tu comprends? Le premier, si on donnait au premier ministre, t'as une démission, au lieu de pour pouvoir sauver 500 000 piastres, moi, on va nommer quelqu'un. Là, ça, Moi, c'est parce que là, c'est le départ, il se fait quand il a été élu. Mm. Puis là, on vient là, de payer pour l'élection. Tu sais, je suis d'accord là qu'une partielle, ça peut arriver. Quelqu'un, il y a un accident. Puis je veux dire, je peux comprendre, là, il y a plein de raisons. Mais là, laisse-moi douter de la volonté de vouloir servir le peuple. Ah, je te laisse douter. Bon, puis qu'est-ce qu'on fait pendant ces six mois-là, sept mois-là? Tu sais, les gens, les maires qui ont besoin d'un député, on fait quoi? Tu t'adresses à... Tu sais, c'est quoi le rôle du député? Exactement pour faire avancer tes dossiers. Il te permet
de frapper à la bonne porte au niveau de la machine. Et la bonne porte où il te fait, permet de frapper, c'est que tu vas avoir quand même un ensemble de conditions à répondre pour pouvoir être en mesure de présenter ton dossier, pour pouvoir obtenir une aide financière. Or, lui, ce qu'il te permet de faire, c'est de t'ouvrir plus facilement ou plus rapidement la porte. Les portes existent tout encore, là. Demain matin, si tu veux refaire un coin de rue et que tu veux obtenir une aide financière, il existe un ensemble de programmes. Tu vas aller chercher le formulaire au niveau du ministère, tu vas le remplir et tu vas l'envoyer aux fonctionnaires en disant « ils vont bien me le traiter dans quelques minutes ou dans quelques secondes ». Des fois, ça peut prendre plusieurs mois, donc le fait d'avoir ton député propre. Là, actuellement, là, tu sais, il y a des députés dans la région. Ça veut dire que tu vas peut-être demander pendant les 6 mois à au moins quelqu'un qui est proche de la CAQ, fort probablement, parce que c'est lui qui va pouvoir t'ouvrir les fonctions au niveau ministériel plus rapidement. Ou encore, tu vas demander, tu sais, à Alma, si mes mémoires sont fidèles, c'est la CAQ qui a été élue. Donc, si tu comprends. C'est parce que l'organisation de la CAQ dans le comté, elle est inexistante. On a pas racheté quelqu'un parce qu'on savait bien que. Bien, il y en a quasiment là, c'est tout organisé. C'est ça. Il y a tout à se remettre de l'avant là-dessus. Donc, tu vas faire appel fort probablement à des députés qui sont voisins de chez toi pour t'aider si jamais tu as besoin de le faire. Il reste quand même que la machine est là aussi pour accueillir tes demandes d'aide. Où ce que tu as peut-être un petit peu plus de difficulté, c'est ce qu'on appelle les cas de comté. C'est-à-dire que, bon, l'individu qui est aux prises et qui vient de se faire pendre, bon, au niveau de l'aide sociale, disons, à frauder, puis qui se ramasse, là, lui, il est pogné avec des pénalités, des choses à payer. Il n'est pas souvent de fois en mesure. Ah, lui, il vient souvent de fois voir son député en disant, écoute, là, moi, je suis plus capable. Y a-t-il une façon? Oui, il y a une façon d'intervenir à ce moment-là auprès. Il y a tout un service qui existe dans ces ministères-là qui permet d'avoir un accès à répondre à des demandes qui sont formulées par des députés. Or, ces types de demandes-là peuvent être traitées par le personnel habituellement qui est au niveau du député. Il y a tout un personnel, ce qu'on appelle des attachés politiques, qui y travaillent pour pouvoir être en mesure d'avoir une réponse là-dessus. Ça peut-être plus retarder parce que tu ne pourras pas voir le personnel ou le député pendant une période de 6 à 7 mois. OK, on va suivre ça, on va regarder ça. Je te lance maintenant, on change de niveau de gouvernement, mais on reste dans la région. On n'a pas eu le temps, c'est une nouvelle qui date un peu, mais je veux quand même t'entendre là-dessus. L'ALENA, on a signé l'ALENA avec notre beau Donald. En fait, on a signé l'entente. Qui est là qu'il faut qu'il reste à être approuvé. Avec Canada, États-Unis, Canada, Mexique, ça ne porte plus l'ALENA. Non, c'est ça, j'ai pas encore intégré le nouveau nom. Ouais, moi non plus, là, tu as fait de la misère. Là. Ouais. Fait que là, on a sauvé cette entente-là, mais en même temps, on a fait des concessions. La concession la plus importante, c'est au niveau de la gestion de l'offre. Nous, on a beaucoup de producteurs laitiers dans la région. Quel impact ça peut avoir sur notre région ici? Et est-ce que ça peut pas avoir à quelque part un effet positif dans le sens de sensibiliser les gens à l'achat local et dire, nous, on va encourager nos producteurs locaux, malgré que le lait diaphiltré qui se retrouve dans les fromages, là, on s'en apercevra même pas qu'on le mange. Non, mais tu sais, ça reste une autre problématique. Il y a effectivement, au départ, ce que Richard Hébert disait lorsqu'on l'a interviewé là-dessus, puisque l'ensemble de tous les commentateurs et du gouvernement canadien disaient, nous, on maintient que nous avons pu faire en sorte que la gestion de l'offre dans le domaine laitier demeure. OK? Parce que, oui, nous avons accepté une brèche, et la brèche, c'est de l'ordre de 3% globalement, le scan. Ouais. La conséquence. Une des conséquences statistiques globales là, qui a été donnée, c'est qu'on dit que ce 3 %-là pourrait faire en sorte que l'ensemble des producteurs laitiers au Canada, okay, dont plus particulièrement au Québec et une partie de l'Ontario, se retrouvent à
ne pas travailler pendant 29 jours dans une année. Ça, ça veut dire qu'ils vont enfin avoir des vacances. Non. Il va falloir que tes vaches t'aient très quand même. Non, je sais, mais je que sais, tu prennes ta je fais une blague parce que c'est que... des gens qui travaillent exact, tellement fort. Exact. Ils ne prennent pas de vacances. Et que tu prennes, c'est parce qu'ils n'auront pas de revenus. Mais non, c'est ça. Ils n'auront pas de revenus. Ben, t'as beau prendre des vacances, là, mais tu n'auras pas de revenus reliés à ça. Ça, ça a un impact. On dit on va avoir des mesures compensatoires qui vont être mises de l'avant. Donc, on en est rendu un peu à faire en sorte que on maintient le centre Domiski, mais les opérations, pour pouvoir les payer, ça nous prend le rang du gouvernement pour les payer. Ouais, ouais. OK, je fais un lien, mais c'est très bien. Un lien, mais c'est pour imaginer que c'est quoi l'affaire. On en est rendu donc à se dire, nous, au Canada, on fonctionne de telle façon pour notre production laitière. C'est une production qui nous permet de ne pas faire, entre guillemets, gaspille, mais de pouvoir... Là, ce qu'on va dire à des producteurs, c'est, bon, mais ta vache, là, pendant 29 jours dans une année, il ne faudrait pas qu'elle produise de lait. Tu sais, c'est ça que... Mais là... On a beau y en parler, je ne suis pas sûr qu'elle va coopérer. Je ne suis pas sûr qu'elle va vouloir. Ça, je pense, c'est l'impact majeur. Ouais. OK? Un impact majeur où tu donnes à des producteurs... Non, même s'ils vont avoir une forme de compensation, tu leur dis, écoute, ta production que tu fais là, on n'en prendra plus parce que ça va être les autres qui vont prendre le marché. Ou encore, si tu veux prendre le marché, il va falloir que tu baisses ton prix, mais tu ne peux plus baisser ton prix parce que nous, le prix est fixé par justement la question de la gestion de l'offre. Ça va avoir, donc ça, cet élément de conséquence-là, c'est que, oui, c'est non seulement une brèche dans la question de la gestion de l'offre, mais c'est quasiment à dire, moi, dans mon livre à moi, c'est quasiment à dire, écoutez, là, à long terme, là, la gestion de l'offre, là, ça va être fini au Canada, là, sur le long terme. Bien, celle-là, ça fait la troisième brèche qu'on fait. Là. Exactement. Tu comprends? Tu fais de la brèche, tu fais de la brèche, tu fais de la brèche, et à un moment donné, il n'en reste plus à brécher. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Il y a une autre chose qu'on a peut-être peu parlé. Garde la question du bois d'œuvre. La question du bois d'œuvre, les droits sont encore là. Les droits imposés par les États-Unis sont encore là parce que ça, il va falloir qu'on continue les négociations pour voir si on les baisse là, ou on les baisse. Tu parles de l'acier, l'aluminium. Exact, et le bois. Les trois sont pareils. Les trois sont dans le même domaine. On a-tu réglé quelque chose? Oui et non, hein? Parce que moi, ici, on va vendre moins d'aluminium. On va aussi, quand on va vendre notre bois aux États-Unis, on est obligé de le vendre plus cher à cause des droits et des taxes qui nous sont imposés. On me dit, écoute, on a pu garder le chapitre 19 de l'ALENA qui nous permet de faire en sorte qu'on peut aller dans les tribunaux internationaux et on a toujours gagné devant les tribunaux. Oui, après 10 ans. Oui, ça prend une éternité. Exact. Or, l'entente qu'on vient de signer, elle va durer 10 ans. Oui. L'industrie, pendant... Bien, c'est en plein ça, se fragilise dans ce temps-là, puis ces choses-là. On est-tu tant gagnant que ça? Seul le temps nous le dira. Mais la question va demeurer entière là-dessus. Oui, on a permis à l'industrie automobile ontarienne de se sauver encore une fois. Comme en 2008. Exactement, pendant la crise de 2008. On a permis, elle, qu'elle se sauve comme il faut, au détriment du, qu'on le veuille ou non, là, du Québec et de l'industrie, de certaines industries au niveau du Québec. En tout cas, s'il y en a qui veulent des arguments là, concernant l'indépendance du Québec, ils ont peut-être à regarder. À regarder le scodella. Hey, merci, Jules. Là-dessus, on prend une pause et on vous revient avec la suite de notre beau programme. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Ça va bien? Oui, ça va bien.
Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Je suis ici au Québec depuis un an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui ai dit, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. Ici, on a choisi de nationaliser l'électricité pour qu'elle appartienne à tous et pour mieux servir les Québécois. Ainsi, en s'assurant tout temps de la fiabilité de nos installations, on reste accessible grâce à nos heures d'ouverture élargies et à nos services en ligne, et on intervient plus rapidement que jamais en cas de panne. Parce que dans le fond, on est là pour vous. Et on est de retour pour continuer à parler d'actualité. Jules, je veux te parler du code d'éthique. C'est un débat, en fait, que je veux avoir avec toi. Parce que Ville-Saguenay a obligé les élus, en fait, à avoir le même code d'éthique dans la vie là, que sur les médias sociaux. Je pense que ça a un peu en lien avec l'histoire de François Tremblay qui a écrit des courriels d'insultes. Moi, je trouve ça important parce que les médias sociaux, c'est devenu une arme à double tranchant, en fait. Parce que ce qui est là peut rester toute ta vie. Là. J'ai vu le cas d'un jeune qui voulait se lancer en politique en Colombie-Britannique. Et puis finalement, son adversaire avait sorti des photos de lui quand il était ado, puis bon, un peu sur le party. Ça a détruit sa carrière politique. Mais tu sais, on a tous eu un passé. Là. Moi, le premier, je le dis souvent, hein, si Facebook avait existé dans les années 80, je pourrais pas travailler à la télé. Mais... Donc, ça amène aussi une manière de parler parce que quand tu écris sur les réseaux sociaux, ça reste beaucoup plus que quand tu le fais en fait de face à une personne. Non? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée qu'on devrait en fait appliquer ça partout? Il y a ça, puis oui, on en est à se dire qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire. Ben oui. OK? Ça, là, c'est drôle, mais je pense qu'il y a rien que l'éducation qui peut amener ça. Ce que je veux dire par là, non pas parce que l'éducation te dit qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, mais l'éducation te donne des méthodes et des moyens pour que quand tu vas amener une opinion ou quand tu vas amener une idée ou encore quand tu vas parler de toi, OK, tu puisses être en mesure de dire « je m'adresse toujours à un auditoire. Je m'adresse toujours à des gens qui... » peuvent utiliser l'information que je viens de divulguer contre moi ou pour moi aussi. Il y en a qui vont peut-être... Oui, parce que chaque fois que tu fais quelque chose, tu prends parti pour ou contre quelque chose. Moi, je pense qu'il y a toute une forme d'éducation à se donner collectivement sur une utilisation judicieuse de ces moyens-là. Est-ce qu'il n'y aura pas des écarts de conduite? Fort probable, hein? Il y en a partout. Il y en aura toujours. Mais à tout le moins, globalement, on va se dire, c'est de cette façon-là qu'on se doit de communiquer. Et si je veux faire valoir des... quand je pense à un média social, je ne parle pas à mon père, à ma mère ou à ma fille ou à mon garçon. Je parle à l'humanité. Je parle à un paquet de monde qui peut venir voir ce qu'il y en a dessus. Tes secrets de famille, là, t'as peut-être avantage à les conserver. Il y a une étude qui démontrait que parmi les utilisateurs Facebook, on est à 3,5 personnes de n'importe qui a Facebook. Donc, ça peut aller très vite. Exactement, ouais. Exactement. Et on le sait, qu'est-ce que ça dit aussi, hein? J'ai 1 million de vues, là, hein? J'ai 1 million à ça. On valorise, hein? Mais... Le 1 million, là, t'en as peut-être 999 998 qui vont vouloir t'avoir rien pour te planter, comme on dit. En tout cas, ça amène toute l'idée des trolls, de la méchanceté, de l'intimidation. Exact. Je sais que je fais extrêmement attention. Chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis, est-ce que je suis capable pour le reste de ma vie de défendre ce point? De défendre ce que tu as indiqué. Puis c'est ça, je pense, qu'il faut regarder et de les utiliser de cette façon-là.
OK, on vous l'avait promis un peu plus tôt dans l'émission. On va maintenant en parler. On va parler du cannabis. Non, mais on est en ce moment, là, quand vous écoutez l'émission, on est ben, presque en train de le légaliser. 17, là, c'est le 17. 17. En ce moment, on est la semaine d'avant. Donc, sans là, faire de chasse aux sorcières, à quoi il faut s'attendre? Comment il faut s'adapter? Ça me fait rire. Là. Les gens ont... Pour moi, là, il y a un peu d'absurdité là-dedans parce que les gens font comme si c'était nouveau, mais en fait, ça existe déjà dans la société. C'est juste que les gens se cachaient. Et puis les gens qui consomment du cannabis déjà vont juste continuer puis ils commenceront pas à aller travailler en fumant de la drogue parce qu'ils ne le faisaient pas avant. Là. Je sais pas comment tu vois ça. Là. Toi, c'est... Bien, il y a un premier élément qui est important de voir, je pense, c'est que là, actuellement, où, quand et comment, pas comment, où, quand tu vas pouvoir fumer du cannabis en public. Ah ben... Dans ta maison privée, tu n'as aucun problème, hein? tu vas être légal, puis là, tu te vois plus à quoi. On n'a plus besoin d'aller dans la chambre à coucher les gens. ça, c'est un célèbre premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau, qui disait ça quand il avait fait la loi sur le bill omnibus sur les personnes gays, lesbiennes, ouais, ce chose-là. Alors, là, on va se ramasser à se dire... Le 17 au matin, là, il y a fort probablement sur l'ensemble des municipalités au Québec, aucune municipalité qui est en mesure de me dire que si je fume un joint sur la rue, que je ne serai pas arrêté ou que je n'aurai pas un amende. Même matin, si je passe un règlement. Ça se fait déjà. Oui, c'est ça. Mais tu comprends? C'est ça là, qu'on est en train de dire où et quand. Où et quand on va pouvoir... dans les endroits publics, là, c'est réglé pour le... Ouais. Alors ça, je pense qu'il y a là une nécessité de faire en sorte qu'on puisse avoir au moins un code de conduite qui va se donner, non pas un consensus parce qu'on n'arrivera pas à ça, mais qui vont donner des balises pour indiquer que, bon, oui, dans une garderie, on préférerait que, quand tu vas chercher ton enfant, que tu n'aies pas un joint à bout. Je le sais. C'est du gros bon sens. Mais je t'amène l'élément que c'est ça que ça va jusqu'à dire. Tu sais, je donnais un exemple. Le conseil de ville, cette semaine, a adopté un avis de motion, justement, pour permettre de passer un règlement qui ne sera pas prêt pour le 17, puis va être prêt pour plus tard un peu. Mais dans ce règlement-là, on dit à un moment donné, oui, il faut que tu saches que le problème avec la drogue et le cannabis, ce n'est pas le fait de le fumer par quel individu, c'est la fumée secondaire. Alors, la fumée secondaire amène dans les endroits publics, oui, je peux peut-être fumer mon joint à l'extérieur de ma résidence. Et si j'ai tous les enfants du voisinage qui sont dans ma... C'est la fumée secondaire, là, affecte... Comme avec la cigarette. Et là, tu te dis... Oui, la cigarette est pareille là-dessus, à ce niveau. Alors, tu te dis, qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on peut réglementer ou réguler dans ce système-là? On s'en vient avec de beaux débats là-dessus. Là, les municipalités ont... Ils prennent la ligne dure en général. Exact. Je pense que c'est correct. Départ, comme ça, on va mettre des balises. C'est ça, on va mettre des balises là-dessus. Puis ça, si on se rend compte qu'on est, en train de devenir une nouvelle faction de taxer le monde parce qu'il y a plus d'amendes à les percevoir envers ça qu'à d'autres choses, bien là, il va falloir qu'on revoie là, fort probablement les façons de faire là-dessus. Moi, c'est là-dessus que j'en ai. Et je disais à la blague, la ville de Dolbeau-Mistassini a adopté, elle aussi, son propre règlement dans les entreprises, dans un certain, et dans les lieux publics. On dit adopter bon, une politique concernant l'alcool. Et bon, on le sait. Ce qui est normal. Que si tu arrives bien sous à l'ouvrage, là, tu ne feras pas long feu. Ouais. Si tu arrives Stone aussi, là, tu peux être source de congédiement. Et je disais, ça veut-tu dire, maintenant, qu'à la ville de Dolbeau-Mistassini, où tout était interdit de consommer, lorsque la municipalité au centre-ville fait un cocktail de bienvenue,
Où là, ils ont le droit, il y a comme une dérogation pour prendre de l'alcool. Le règlement doit le prévoir. Mais oui, tu comprends? Ouais, je comprends. Et doit le prévoir pour ce genre de choses-là. Et est-ce qu'ils vont nous permettre de fumer? Oui, c'est beau. Puis, on se mentira pas non plus. Hein? Prendre du cannabis, ça nous rend pas plus intelligents. Et c'est pas bon pour la santé, sauf pour ceux qui s'en font diagnostiquer par des médecins. Ouais, mais, ouais, mais par contre, c'est pour atténuer les souffrances. Hein? Si je faisais appel à l'intelligence de nos téléspectateurs là-dessus. Bon, première semaine... Bon, on va probablement en placoter prochaine, dans les années qui viennent. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Autour d'une bonne bouteille. on va revenir maintenant, on va s'en aller un peu au niveau du Québec. Là. Première semaine de la Coalition Avenir Québec comme gouvernement. Bon, là, on s'entend, première semaine, il ne se passe pas grand-chose. Il y a juste François Legault est parti en Arménie pour le sommet de la francophonie. Après ça, tous ceux qui ont été élus suivent le cours pour devenir parlementaire. Parce que c'est pas simple, moi je le fais avec des étudiants. Puis il y a beaucoup de choses à maîtriser. On passe 6 mois avant de partir au forum étudiant, expliquer aux étudiants tout ce qu'il y a à faire. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup de choses. Bon, déjà, on a des choses qu'on connaît. Le cabinet sera connu le 18, donc bientôt. On va avoir une idée de qui seront ministres. Deux choses, on travaille déjà sur un projet de loi sur les nominations partisanes. Donc, on veut que les gens, entre autres, comme le chef de l'UPAC, soient nommés par les 2/3 de la Chambre. Donc, c'est un exercice démocratique intéressant. Mais en même temps, on fait une petite chasse aux sorcières. On va aller valider ceux qui sont en poste s'ils ont les bonnes compétences ou s'il n'y avait pas eu une nomination partisane. Ça, c'est un des enjeux. Mais on se rappelle surtout de les signes religieux. Donc, on a ramené ça, un débat qui était plutôt mort. Et là, on le ramène et on met le feu dedans parce que là, c'est parti en peur. Il y a déjà des manifestations qui se sont organisées. Comment, toi, tu qualifies la première semaine de la CAQ et de François Legault comme premier ministre désigné? La question des nominations, ça m'a titillé. Ouais. Ben, j'ai trouvé ça, intéressant parce que, tu le sais, c'est un changement de gouvernement. C'est un changement dans la haute fonction publique, entre autres, c'est beaucoup. On n'est plus à l'époque de Duplessis quand même. Oui, mais c'est quand même. Je veux dire, oui, tu ne peux plus mettre ton sous-ministre de même à la porte, mais par contre, tu peux le changer et mettre ses tablettes, là, tu comprends? Il y a des bonnes tablettes au gouvernement. Ça, exact. Ça, c'est le phénomène. Alors, on ne connaît pas toutes les modalités qu'il va amener, mais ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Ben, moi, je trouve Ça dénote, oui, parce qu'on le sait au cours des 10 dernières années, là, toute la question corruption, toutes ces choses-là, ça a toujours été dans le débat quotidien. Ça permet de dire, écoutez, cet élément-là, là, on va essayer de mettre de l'avant une forme de solution. Ça, je trouve ça intéressant de leur part de l'amener. Ça, je suis d'accord. Revenir dans le passé des gens qui sont en ça fait chasse aux sorcières. Oui. Ça, là-dessus, oui. Il y a peut-être certains postes où il peut y avoir des demandes qui peuvent se faire, là, mais on n'est quand même pas... C'est quand même pas tout. C'est surprenant de fois, hein, des représentants de la SAQ, ce genre d'organisation-là, où on mettait de la haute direction proche du pouvoir Hydro-Québec. Ouais. Et on était aussi un exemple. Jusqu'à quel point là, il va aller, il va nous donner des précisions. Ça, j'ai trouvé ça correct. Par ailleurs, la question des signes religieux, ouais, je vais peut-être trouver ça un peu rapide de sa part, l'amener. Il était vite sur la cloche. Oui, il a été... Parce que normalement, si je ne me trompe pas, un gouvernement qui arrive, il prend les solutions faciles en premier, non? Oui. Dans les premiers 6 mois. Là. Mais ça permet peut-être d'atténuer d'autres problèmes, d'autres questions qui vont nous arriver dans la deuxième semaine. Ouais, peut-être. On en parle la semaine prochaine. Mais là, ça a été vite. Puis les gens ont été vite aussi à manifester. Je pense que qui a vu le plus M. Legault s'est dit OK, ça passera pas comme une lettre à la poste. Non. Et c'était peut-être aussi un bon test là, de voir qu'est-ce que le changement peut amener. Là. Parce que déjà aujourd'hui, ils mettaient. Il parlait peut-être d'arrangements là, pour ceux qui sont déjà là, de droits acquis. Donc, on est déjà Il y a toute cette question-là. De moduler le point de vue. Là. Ouais, ça va être ça, notre première semaine.
OK, bien, en tout cas, on va voir. Au niveau du Parti libéral du Québec, Pierre Arcan, chef intérimaire. Bon, qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Je vais faire les deux nouvelles en même temps. Pascal Bérubé, lui, est devenu chef intérimaire au niveau du Parti québécois. C'est quoi leur agenda? Eux, comment on doit reconstruire ça, là, un parti après des défaites, des cinglantes défaites pour les deux partis? Là? Comment on part? Est-ce qu'on se nomme un chef rapidement? Est-ce qu'on attend quelques années? Qu'est-ce qu'on fait? Et qui tu vois comme nouveau chef du PLQ et du PQ? Au niveau du Parti libéral, il y a deux éléments. Il y a, se désigner un chef intérimaire et il ne faut pas oublier que le rôle de l'opposition officielle, c'est eux. Or, il y a toute une question de quelle façon maintenant le Parti libéral, qui, on le sait, regroupe maintenant un ensemble de députés assez limité géographiquement, hein, va jouer son rôle d'opposition officielle sur le terrain, dans les régions. Exact. Donc, ça, là, il y a fort probablement tout un travail de réorganisation qui va se faire tant avec le caucus qu'avec le nouveau chef et au niveau du parti. Il va falloir qu'eux autres aussi y voient de quelle façon on va articuler maintenant toute cette façon d'intervenir auprès de l'électorat pour essayer de leur dire, bien, écoutez, là, il faudrait peut-être que vous nous refassiez confiance. Ça, avec la question du rôle de l'opposition, ça complique et ça amène de nouveau le choix. Au niveau du Parti québécois… Donc, juste finir, donc on va vouloir probablement élire un chef du Parti libéral plus rapidement. Parce peut-être plus rapidement. On a besoin d'un chef d'opposition en chambre. Exact. Peut-être plus rapidement et qui va donner de ce que va être le nouveau Parti libéral. Oui, parce qu'on l'a vu avec Justin Trudeau au fédéral, les deux partis d'opposition n'avaient pas de chef pendant un bout de temps. Écoute, eux, c'était une autoroute en avant, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Exact. Personne qui les remettait en question. Exact. Tu comprends? C'est pour ça que le fort probablement que ce que nous allons voir, c'est que la question du chef amène la vision, hein, la façon dont on veut mettre de l'avant le développement au Québec, on parle du Québec ici, là, dont on veut le meilleur. C'est important que ça, cette balise et ces bases-là soient clairement identifiées et peut-être plus rapidement qu'on peut le penser. J'ai-tu du monde qui peut être susceptible d'être intéressé dans mon carnet à moi? Malheureusement, j'en ai pas. Je peux pas t'indiquer qui pourrait être... on parle de Mme Anglais, on parle de... On en parle depuis chez Taillefer aussi. Il m'excuse de rire. Oui, mais fort probablement qu'il était... Il a dû beaucoup apprécier son choix d'organisation politique et il s'est trouvé très bon. J'espère. On va voir ce que ça va donner. Au niveau du PQ? Bon, au niveau du Parti québécois, il y a... Il ne faut pas oublier qu'ils sont maintenant la deuxième, non, la troisième opposition. Troisième opposition officielle. Alors, il y a encore moins de droit de parole à l'Assemblée nationale que Québec solidaire. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, il y a quand même un recomptage qui doit se faire dans deux ou trois, même ici dans Ngava aussi. Donc, ça pourrait changer la donne. Oui, parce que, bon, puis dans Ngava, là, c'était assez serré. Je pense que c'est même pas une quarantaine de voix, de mémoire, là, qui peut faire en sorte. Donc, ça, il pourrait y avoir... Et on sait que dans Ngava, c'est Québec solidaire, si ma mère m'est fidèle. Non, c'est la CAQ. C'est la CAQ qui l'a remporté. Oui, c'est vrai, c'est l'autre comté est en Abitibi. Oui, Abitibi. Donc, là, il pourrait y avoir... là. 10-10. Là. En tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a pas suffisamment de députés. Mais est-ce que tu penses qu'on va leur donner le statut de parti officiel? Moi, je ne penserais pas parce que le Parti québécois, quand ça a été le temps de dire à l'ADQ, est-ce qu'on lui donne un statut d'officiel? Le Parti québécois avait dit non, fort probablement que là, tu vas avoir et la CAQ et le Parti libéral. On les laisse mijoter dans leur vin. Et c'est peut-être là l'aspect, c'est que ça va te donner peut-être... Je pense que le Parti québécois, lui, il est aussi à une croisée de chemin où il doit se dire, est-ce que le Parti québécois devient encore un parti qui veut aller prendre le pouvoir
pour essayer, oui, d'améliorer le sort du Québec avec leur programme, ces choses-là. Idéalement, de faire l'indépendance. Après, ou tu sais, de le mettre, non pas en sourdine, mais de le mettre un peu après. Et, ou encore, lorsque nous nous présenterons à des élections, nous sommes un parti résolument indépendantiste. Et ce que nous... Alors, le débat devra se tenir. Je pense qu'ils vont prendre un certain temps pour que ce débat-là puisse se tenir, ce qui ferait en sorte qu'on pourrait s'attendre à avoir des élections à la chefferie, une course à la chefferie peut-être un peu plus tard que le Parti libéral à ce niveau-là, parce que la contrainte n'est pas tout à fait la même. Par contre, là, tu vas être aux prises avec un problème. Comment on va parler de nous autres? Comment on va faire parler du... Comment on va faire la manchette d'un téléjournaux si nous ne, un, on n'a quasiment pas de droit de parole à l'Assemblée nationale et que, deuxièmement, nous sommes dans un débat interne pour pouvoir être en mesure de savoir ce qu'il y en a. Ça, ce sera une problématique à regarder et à voir qu'il faut probablement qu'il va y avoir des rencontres très prochainement au niveau du membership pour pouvoir être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Et ce qui fait en sorte que ça porte dans le temps les candidatures éventuelles. Et je pense que les candidatures éventuelles, telles que je connais là, le Parti québécois, moi, c'est que ça va amener à se dire, si le Parti québécois prend résolument un virage en se disant, nous sommes un parti qui veut faire du Québec un pays indépendant, et voilà le programme que nous entendons et la façon dont nous entendons le faire, il va falloir, lui, là, par exemple, que le chef suive ce courant-là. Et donc, ça permet, et non pas dire, écoutez, non pas dire comme dans un autre type de chefferie, si vous m'élisez, voilà, qu'est-ce que je veux faire et la façon dont je veux le faire. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir du temps là, avec ça. Super. Bien, on va se sortons donc. Ah, bien, il y avait Sylvain Godreau qui avait dit qu'il dirait pas non à la chefferie. Oui, fort probablement. Oui, je pense qu'il... Il y a l'étoffe, ça, qu'il c'est y sûr. Qu'il y songe. D'où le pourquoi du comment, d'ailleurs, que tout le monde l'avait dit, ah, il va être le chef intérimaire. Il n'est pas le chef intérimaire, c'est Pascal Bérubé. Et ça lui donne, permet d'avoir les coulées franches, si jamais, effectivement, il veut... aller se lancer au niveau du... On verra. Oui. L'Organisation internationale de la francophonie, on t'amène en Arménie, un pays que j'ai adoré. À Yerevan, en ce moment, les pays francophones se rencontrent là-bas pour élire la nouvelle secrétaire générale de la francophonie, qui était Michaël Jean, une Canadienne québécoise, qui faisait quand même rayonner la francophonie. Un des rares endroits, je m'excuse, où le Québec a droit de parole comme un État, comme s'il était un État. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais Michaël Jean ne fait pas l'unanimité parce que tout le monde y a tourné le dos. Même le Canada et le Québec lui ont enlevé leur appui. Tu trouves pas ça étrange, toi? Puis quelle est l'importance de cette organisation-là? C'est-tu vraiment important ou on fait un gros... un gros show avec ça, puis il sait pas grand-chose. Bien, c'est important. Ça l'a permis à l'Afrique, qu'on le veuille ou non, d'avoir une voix internationale plus grande qu'un jeu. Alors, ça l'a permis, cet élément-là. Et quand ils vont à l'ONU, ou, tu comprends, ça l'a permis. Et ça, on parle des années 60, donc, quand tu as eu tout ce pullulement-là. Le mouvement de décolonisation. De décolonisation qui s'est fait. Alors, pour les pays africains, ça représente quelque chose d'important. Et même aussi pour le Québec et le Canada, sur le développement de la francophonie à l'échelle planétaire, OK? D'aider, que ce soit dans le domaine des communications, que ce soit dans le domaine pour avoir, oui, la langue française étant le lien qui relie tout ce monde-là, et on peut en venir à se faire des ententes bilatérales ou multilatérales à ce moment-là, peut-être plus facilement. C'est là l'importance de cette organisation-là. Pour nous, c'est peut-être, pour le Québec, ça a été, avec toutes les batailles qu'on a menées pour pouvoir être en mesure d'avoir le statut que tu disais tout à l'heure, ça a été pour nous, effectivement, une façon de s'affirmer. Contrairement à ce qu'il y a aussi le fait français dans d'autres provinces du Québec.
du Canada, pardon. Le fait que Mme Jean soit maintenant remise en question, ça relève un peu aussi de la façon. De sa gestion. De sa gestion. Des finances. Des finances à elle. Et des mini-scandales. Ça, ça l'a attaché. Des goûts de réputation, luxe. Parce qu'elle était, je pense qu'elle avait, au niveau de ses interventions sur le terrain, au niveau des façons de faire venir en aide, entre autres, d'un pays d'origine, qu'elle est au niveau d'Haïti, ça l'a permis d'avoir des... de dire, bon, bien, la francophonie se doit aussi de s'impliquer et de favoriser... la reprise, entre autres, en Haïti. Je pense qu'elle a eu des actions, OK, intéressantes et importantes pendant son mandat, qui sont été atténuées par une gestion peut-être un peu plus élastique des finances de l'association, de cette organisation. C'est, je pense, ce qui lui nuit. Et actuellement, et je prenais un analyste qui est très au fait de la chose et qui disait que ça permet... pourquoi le Canada et le Québec vont peut-être appuyer la candidature des pays africains? Le Canada veut faire réintégrer l'ONU à un bon siège. Oui, ça va y prendre des votes. Au Conseil de sécurité. Et ça va y prendre des votes. Et les votes qu'il peut avoir peuvent venir de la francophonie. Et de l'Afrique et de la francophonie, d'où le pourquoi du comment que même si la madame qu'on veut faire lire, non, je n'ai pas le nom en tête, là, mais... La Rwandaise. Est dans un pays où les droits de l'homme sont peut-être parfois un peu autres élastiqués. Un peu comme dans d'autres pays, proches de chez nous aussi, hein? Les droits de l'homme exact, un peu élastiques. Hey, merci beaucoup, Jules, d'avoir partagé toute ta sagesse et de m'avoir illuminé. L'important, c'est de faire un bon débat. Ouais, et pour une fois qu'on... cette semaine, je ne suis même pas emporté. Ben oui, je ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, je dois... Tu reprendras la semaine prochaine. Hey, merci d'avoir été des nôtres. Merci, Jules. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!